Bonjour, vous avez réinstallé votre machine ou alors vous en avez changé. Tout a été réinstallé, y compris VirtualBox. VirtualBox a donc une configuration en vierge et il vous faut réassocier dans le logiciel toutes vos VM. On va voir comment faire. On va lancer VirtualBox et puis là, la liste est vierge. On veut raccrocher les machines que l'on avait faites auparavant. Alors ce n'est pas compliqué, on clique sur Machine, Ajouter, et puis on va donc aller dans le répertoire qui contient notre machine virtuelle ou nos machines virtuelles. C'est une machine virtuelle à la fois. Donc là, j'ai une machine que j'avais installée avec Ubuntu. Je clique sur son fichier de définition. Je clique sur Ouvrir, et voilà, elle s'ajoute à la liste avec le dernier état qu'elle avait auparavant. Maintenant, votre machine, vous pouvez cliquer dessus et puis la démarrer. Alors, si vous avez ce message, c'est pas bien compliqué. Vous cliquez sur OK. Vous faites un clic droit sur votre machine. En fait, ça veut dire qu'il n'arrive plus à associer votre machine avec la carte réseau avec laquelle elle était avant. Donc, vous allez dans Configuration. Et puis vous allez au niveau du réseau et vous resélectionnez tout simplement la carte réseau sur laquelle elle doit communiquer. Et puis vous faites OK. Donc voilà. Et à partir de là, si vous la relancez, eh bien elle va retrouver ses paramètres et ça va fonctionner parfaitement. Et voilà, votre machine fonctionne.